Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une participation pour l'album partagé. Donc de la chaîne de Maryse Doudoun Salmon. Je vous mettrai le lien comme hier pour Delphine dessous ma vidéo. Et je voulais aussi vous remercier pour toutes celles qui ont été s'abonner sur la chaîne de Delphine. Voilà, ça me fait vraiment plaisir et je trouve que le partage, c'est ça, c'est aussi de faire un peu de la pub pour les petites chaînes comme ça qui démarrent. Et bon, surtout que Delphine, ça fait très longtemps que je la connais, donc ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis merci énormément. Et donc voilà, Maryse, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle fait de belles créations aussi. Et je vous mets le lien en dessous. Comme ça, voilà, si vous voulez aller vous abonner, ben voilà, c'est bon, ça me fera plaisir. Donc voilà, la magnifique carte qu'elle a faite. Un peu style shabby. Donc voilà, alors pour la participation de l'album, Maryse, j'en suis au deuxième classeur. Mais je pense qu'il va y en avoir un troisième. Enfin, pour le moment, je n'ai pas fini le deuxième. Donc voilà, et en tout cas, je te remercie du fond du cœur de ta participation qui me touche énormément. Donc voilà, elle m'a fait une magnifique carte sur un fond rose. Avec, là il y a un apron, du papier écrit déchiré. Pour moi c'est vraiment, ça fait vraiment partie du shabby. Pour moi il y a des codes comme ça, voilà. Un joli papillon, un petit nœud, une feuille, de la dentelle, des roses. Là il y en a en satin, il y en a en papier, là une petite fleur comme ça, c'est super joli. Là les petites perles. Une jolie image au milieu et amitié sur le haut. Maryse, vraiment merci beaucoup de ta participation, merci de ton envoi, tu m'as gâté et vraiment voilà, je m'y attendais pas. Donc on va commencer. Alors par contre tu m'as pas dit pour la photo si je pouvais la mettre ou pas. Et du coup, je ne l'ai pas. Voilà. Hop. En fait, voilà, c'est l'embellissement qui s'ouvre et qui se referme. Mais j'adore. Elle est partie sur des fonds roses. Rose foncé, rose clair, j'aime beaucoup. Elle a mis un petit cœur là. Là, la découpe, c'est tout en arrondi. C'est vraiment gentil. Jolie, et en plus tu m'as mis une photo et je te remercie vraiment, ça me touche énormément, voilà, d'avoir ta photo. Bon, même si on te voit sur YouTube, voilà, c'est pour plus tard, j'aurai quand même ta photo. Donc voilà, je referme, donc je ferai la mise en page bientôt. Donc voilà, pour l'embellissement, alors elle m'a gâtée, elle m'a fait une super, mais alors j'adore, une Memory Dex, mais elle est trop trop belle, vraiment. Elle a mis trois épaisseurs de papier, franchement la patience et tout, c'est trop chouette. Elle a mis de la petite dentelle, des petites roses, une petite fleur là, tout en dentelle. L'image là, elle est magnifique, elle a mis un ange, là elle a marqué ange coco, vraiment elle est travaillée, c'est vraiment un travail magnifique, minutieux, et bravo, parce que ça me fait vraiment vraiment plaisir. Donc et les Memory Dex, on va en parler, parce que j'en ai pas beaucoup, et du coup mais je vous en parlerai dans une autre vidéo,
Voilà. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de mémoire d'ex. Quand vous me faites un envoi, pensez à m'en mettre une. Voilà. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. C'est quand vous y, si vous y pensez, voilà, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que là, j'ai toutes ces informations et j'ai sa date de naissance, parce que je pense que je dois louper des abonnés, parce que je n'ai pas toutes vos dates de naissance, donc je ne peux pas toutes vous fêter vos anniversaires vu que je n'ai pas vos dates. Je fais à celles où j'ai les dates, mais moi, ça me ferait plaisir à tout le monde de vous faire une petite création pour votre anniversaire. Donc à l'occasion, quand vous me faites un courrier, vous me faites une petite memory dex avec vos infos, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et votre date de naissance surtout. Donc voilà. Donc alors j'aime tout sauf les gorgeous, mais principalement le vintage. Et je commence à m'essayer au chabis. Eh ben dis donc, franchement, ta carte là, tu vois, tu peux dire que t'es dans le. Pour moi, c'est un style chabis, hein. Donc, ben voilà, continue, t'es dans la bonne voie. Moi, c'est le vintage, c'est pas mon truc. J'en fais quand il faut en faire, mais c'est pas la. Je préfère, c'est vrai, de loin. Le chabis. Donc, du coup, voilà, je vais arrêter de discuter parce que voilà, on va pas y arriver. Elle m'a fait un magnifique carnet, c'est trop trop chouette. Vraiment, il est super joli. Les images là, c'est. Ouais, j'adore. Sur un fond rose, voilà. Et au moins, hop, on peut marquer ce qu'on veut. C'est vraiment, il est vraiment super joli. Il est bien, bien fait. Et voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup, Maryse, parce que ça, c'est toujours, toujours utile. Les carnets, c'est vraiment des choses qu'on se sert souvent, quoi. Et pour finir, donc, elle m'a fait une petite pochette comme ça. Voilà, avec de la dentelle. Alors. Donc de la jolie dentelle comme ça. Je l'ai beaucoup aimé ce papier. Moi, j'en ai plus, mais c'est vrai que j'avais bien aimé cette collection, la Action. Voilà. Et voilà, elle m'a mis plein de petites choses. Vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, fallait. Toi, moi, je demandais juste la participation. Bon, après. C'est sûr, ça me fait toujours plaisir de recevoir des belles choses. Mais voilà, faut pas vous sentir non plus obligé. Si vous voulez envoyer que la participation, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, elle m'a fait des jolies fleurs, comme ça, moi j'aime bien. C'est du fait maison, j'aime beaucoup. Et celles-là, elles sont sublimes aussi. J'aime beaucoup, comme ça, là. Vraiment, ça me touche parce que tu as pris du temps pour moi et vraiment, c'est vraiment touchant. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est des petits cœurs et des petites fleurs. Avec à chaque fois, elle a mis une petite perle. Voilà, c'est de la petite patience, ça. Et voilà, faut avoir la patience de coller une par une. Enfin, c'est vraiment chouette. Hein. Donc là, elle m'a mis. Des roses. Alors, je vais peut-être vous les sortir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, hop là. Donc, elle m'a mis des roses comme ça. Elles sont super belles. Il y en a une qui se défait. Voilà. Alors, c'est dans les tons un peu, je sais pas, je dirais. Abricot un peu, mais très très, je sais pas, ouais, un peu abricot, mais léger quoi. C'est une jolie jolie couleur. Je vais y mettre là. Et là, c'est plein de petites roses. Alors, celles-là sont trop trop belles. Des mini roses comme ça, moi j'en ai pas.
J'ai trouvé des grosses, mais j'ai pas trouvé des toutes petites comme ça, ouais. C'est trop joli. En tout cas, merci beaucoup. Ensuite, voilà. Alors, là, elle m'a mis plein de sentiments. Ça, c'est super parce que c'est vrai que c'est vraiment des sentiments. Moi, je m'en sers beaucoup. Donc, merveilleux moment. Là, c'est souvenir. Une journée formidable, des souvenirs inestimables. Bref, un bon moment, ouais. La vie est belle, elle brille de mille paillettes, d'éclats de rire, de rencontres joyeuses et d'autres surprises pétillantes. Ça, c'est bien vrai. La vie, elle est remplie de surprises, bonnes ou mauvaises, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Alors, elle m'a mis encore plein de petites bricoles là. Elles sont trop trop belles. Hop. Donc, elle m'a mis des petits nœuds papillons comme ça. C'est trop joli en dentelle comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Elle m'a mis des fleurs comme ça. Celle-là, elle est sublime. Là, c'est une petite découpe comme ça, c'est trop trop joli. Là, encore un petit nœud et là, une autre comme ça. C'est vraiment très très beau, je te remercie beaucoup. Marise, vraiment, voilà. Hein. C'est que des choses que je me servirai et ça, c'est des choses que j'adore. C'est, voilà. Et du coup, elle m'a mis le petit paquet, il s'est tout abîmé, c'est pas grave. Elle m'a mis plein de petits sentiments. Hop, je ne vais pas tous, peut-être tous vous les dire. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le jour parfait pour commencer à vivre ses rêves. Faut toujours rêver. Ça nous aide à avancer et être mieux, on va dire. Un grand bonheur. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Ça, c'est bien vrai. Je craque pour toi. En mode séduction, magique. Mon amour, ouais, un charme fou. Ça, c'est pas pour moi, mais bon, romantique. Là, c'est le même. Totalement glamour, beauté. Jolie frimousse, sous le charme, innocence, rêver, la magie, des moments simples, ouais, souvenirs, ces moments inoubliables du passé, gardés en mémoire et que l'on aime partager, c'est bien vrai, de la douceur dans l'air, vivre pleinement chaque instant, croquer la vie à pleines dents, vivre sans modération. Un peu de fantaisie et de magie. Le meilleur est à venir. Ouais. Eh ben, je te remercie beaucoup pour tous ces sentiments. Vraiment, voilà, ils vont aller dans ma boîte à mots et c'est vrai que c'est des choses que je me sers régulièrement. Et du coup, là, c'est pareil. C'est des étiquettes avec des sentiments encore. Donc, voilà, je vous les fais voir comme ça. Donc voilà, Marise, vraiment, je te remercie du fond du cœur pour ton envoi, pour ta Memory Dex hein, que j'adore vraiment. C'est un travail, mais vraiment, merci beaucoup pour ta participation, pour ta jolie carte aussi et pour tous les petits scrapes bidules que tu m'as mis. Vraiment, merci beaucoup. Elle a une chaîne, si vous voulez aller voir sa chaîne, je vous mets le lien dessous ma vidéo. Voilà, et par avance, je vous remercie pour elle. Ensuite, à midi, j'ai reçu un courrier surprise, on va dire, Sylviane Dupont. Sylviane, je te remercie beaucoup, beaucoup. Ça m'a beaucoup touchée.
Heureusement que j'ouvre avant parce que voilà, ça me donne l'occasion de laisser retomber mes émotions un moment, on va dire. Donc voilà. Donc, son joli courrier. Donc, ça, je vais l'enlever. Elle m'a fait une petite pince à linge avec un ange tout coloré en violet. Donc, je ne vous dirai pas son mot, mais merci beaucoup, Sylviane, ça me touche beaucoup. Et voilà la carte qu'elle m'a fait, c'est trop beau. Je ne sais pas comment, enfin bref, ça se met que debout. C'est trop, trop joli. Elle a mis là au pochoir, elle a fait des dessins là, un papillon, des roses en superposition, un petit nœud papillon, un oiseau, des petites fleurs. Et le merci, c'est moi qui te dis merci Sylviane, je te remercie du fond du cœur d'être là, d'être là tout simplement. Je te remercie de toute ta gentillesse, de plein de choses. Voilà, c'est moi qui... Elle me dit merci, en fait, c'est pour le gâteau, pour son gâteau d'anniversaire que je lui ai fait. Mais pour moi, c'était qu'un énorme plaisir, voilà. Vraiment, ça me fait plaisir de vous faire des petites créations. J'ai pas l'occasion d'en faire tout le temps, mais au moins pour votre anniversaire, j'y tiens. Alors après, je sais pas ce que je vais faire à l'avance, mais voilà, ça me fait plaisir. Donc, elle m'a mis, pardon, un petit sachet qui sent bon, là. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert l'enveloppe, oh là là, ça sentait super bon. Donc, ça, c'est super bien, quoi. Elle m'a fait une jolie carte pour ma petite sœur que je lui donnerai. Donc, je vais pas l'ouvrir ni regarder. Je pense que c'est une carte parce que, il y a de l'épaisseur. Donc, Sylviane, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ma petite sœur. Je lui donnerai quand je la verrai demain. Et elle m'a fait une sublime... alors, j'adore. Vraiment. Elle me connaît bien. Mais vraiment, déjà l'odeur de la lavande. Ah, oh, j'adore. C'est... Hop là, ça perd les petits grains, c'est pas grave. C'est en train de sécher. Merci beaucoup, vraiment. Ça me touche beaucoup. Donc, hop, qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, sa magnifique pocket letter, ce qu'elle a fait. Elle est trop, trop belle. J'adore. Dans les tons violets. Alors, elle a mis de la dentelle, des rubans, de la blanche, de la violette. C'est tout dans mes couleurs. Un joli ange, regardez. Il est trop, trop beau. Hop, en violet comme ça. Il est magnifique, j'adore. C'est trop, trop beau. Et là, elle a fait aussi, elle a mis aussi un petit peu... c'est trop chouette, hein. Ça ressemble à un parapluie, c'est trop joli. Vraiment. Puis alors là, que des images, voilà. Ça donne envie. En plus, il y a la lavande avec et en plus, on a l'odeur, mais vraiment, ça va, l'ensemble va super bien ensemble, quoi. C'est que des images de champs de lavande, un peu à droite, à gauche. C'est trop, trop beau, j'adore. Vraiment, c'est trop beau. Un énorme merci parce que ça, c'est génial comme idée, quoi. C'est vraiment génial. Avec les petites coccinelles. C'est vraiment super. Et du coup, elle m'a mis des petites choses derrière. Elle me dit que pour Marie Cala, qu'elle avait oublié de mettre les petites choses. Et du coup, moi, elle m'en a mis. Bon, je te remercie beaucoup. Sylviane, vraiment, voilà, ça me touche beaucoup. Alors, elle m'a mis des petits brads. Hop.
Hop, des petites marguerites. J'aime bien, c'est joli comme tout, ces fleurs. Hop, d'autres petites fleurs comme ça, elles sont super belles en vieux rose, là un peu mauve. C'est trop joli. Alors, ensuite, hop. Moi, j'en ai fait beaucoup des pocket letters, et du coup, ça m'a passé là. Peut-être que ça me reviendra. Des fleurs en violette comme ça. Moi, j'ai blanc, mais j'ai pas. Voilà. C'est vrai que j'ai tendance à acheter mes fleurs et mes dentelles beaucoup blanches. Ça me change d'avoir des couleurs, on va dire. Alors, des brads, des demi-perles comme ça, en rose foncé. Moi, je ne les ai jamais vues en rose foncé comme ça. C'est la première fois. Mais bon, on a un action tout neuf qui est jamais, comment ? Il n'y a jamais rien dedans, alors voilà. Des perles comme ça, moi ça c'est pareil, j'aime beaucoup. Les branches de perles comme ça. Hop, voilà. Dans une déco, ça rend tout de suite, c'est le plus, on va dire. Elle m'a remis là, hop, de la dentelle comme ça, en violet. C'est super joli. Je regarde parce que je ne les ai pas, alors après, j'allais voir pour celles qui me plaisent, après je les commande. Hop. Alors, oh, c'est super joli ça. Je vais faire attention de pas tout... Alors, je pense que ça doit être un ensemble, voilà. En fait, c'est du ruban avec des roses en satin et des petites perles comme ça et avec un petit ruban, mais c'est trop joli ça. Ça, c'est super chouette. Et en plus, c'est de la couleur crème. C'est super, super joli. Donc, voilà. Hop. Et là, des petits papillons que j'aime beaucoup. Tout en perles. Enfin, sur des perles, on va dire. Voilà. C'est super, super joli. Sylviane, je te remercie du fond du cœur pour ton envoi. Ta petite carte pour ma petite sœur. Pour tout en fait, pour ta gentillesse, pour tout, vraiment, voilà. Je te remercie beaucoup, beaucoup, et pour ta magnifique pocket letters, là, qui est sublime, j'adore. Et pour le sachet de lavande, qui sent super bon. Je te remercie vraiment pour toutes les petites choses, merci du fond du cœur. Maryse, je te remercie, et Sylviane, je vous remercie toutes les deux pour vos envois. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.